marché Tilène de Dakar, les vendeurs tentent d'écouler leur volaille pour l'Aïd el-Fitr. Le poulet de chair est très prisé. Depuis quelque temps, les spéculations sur la rareté du poulet animent les foyers sénégalais et font douter les consommateurs. Ce vendeur de poulet rassure et précise qu'il y en a assez pour toutes les bourses. Beaucoup de personnes vont croire que si bien ici, elles n'auront pas de poulet. Vous avez constaté, ce poulet-là, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, ce poulet-là. Vous en avez vu, ce poulet, et j'en ai trop. Donc, un poulet de 3 kilos et quelques, voilà, je le vends à 7000 francs, c'est abordable. Les poulets de 2 kilos, je les vends à 3500. Il y a 2 kilos de poussière, ça vaut 4000 francs. Pour ceux qui préfèrent les poulets du pays, c'est l'endroit privilégié. On y trouve de toute taille et de toute race. Ils sont déjà préparés et prêts pour leur cuisson. Nos poulets sont accessibles. Beaucoup de clients viennent en acheter. Les prix varient entre 3, 6 et 7 euros. Nous avons aussi des poules pondeuses qui coûtent beaucoup plus cher. Mati, une fidèle cliente, estime que cette année, le poulet coûte cher. J'avais déjà acheté du poulet. Aujourd'hui, je suis venue pour compléter. Ma fille aime beaucoup le poulet du pays, mais ça coûte cher. En général, les musulmans sénégalais ne lésinent pas sur les moyens pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr et faire plaisir à leur famille. Mais cette année, à cause de la crise sanitaire, il est question de rationaliser les dépenses.